vitreux, il est incroyable. Moi, je vais pas tenir, Younes, hein, je te préviens. Comment ça? Je vais pas réussir. Comment ça, tu vas il pas réussir? Il fait froid, je suis malade. Incroyable. Il fait son téléphone, comment on va faire? Moi aussi, restez déterrés, les gars, dites bonjour aux gens. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yo-Yo. Salam, salam. Donc, le concept, c'est quoi? On doit passer 24 heures sans utiliser d'écran, donc ni téléphone, ni tablette, ni PC. Ni play, ni télévision. Rien. Oh là là, psychiatre. Vous inquiétez pas, habillez-vous, vous êtes déjà habillés. On va dehors, les gars. On va passer une petite journée dehors. C'est parti. Younes. Oui. Je peux utiliser mon portable. Yacine, ça vient de commencer. Je vous ai ramené dans un magasin d'animaux de compagnie. On va voir des choses pour les poissons, parce que les poissons, ils vont mal. Ils sont malades. Je crois que j'ai reçu un message. T'as reçu un message de qui? Je sais pas, il faut que je regarde. On s'en fiche. Allez, venons, on y va. Levez-vous, il n'y a pas que les téléphones. Ouais. Ouais. Comment ça, s'il te plaît, un lapin? Tu sais même pas t'en occuper. Bah, vas-y, tu peux le caresser. Ils sont en train de dormir, laisse-les tranquilles. Alors, je vais caresser eux. Ouais, regarde, lui, il est réveillé, lui. Tu vois, lui, là-bas, il est réveillé. Mmh. Va le voir si tu veux. Faudrait que tu montes sur ça. On prend lui? Allez, on prend lui? Ouais. Ceux-là, ils sont trop mignons. T'as vu, regardez ceux-là, comment ils sont mignons, la famille. Mais tu sais pas qu'ils font caca partout. C'est vrai, dingue. Allez, on y va. Allez, on y va. On va voir si s'occuper d'un poisson, c'est cher. Vas-y. Alors, on commence par 9 euros. 9 euros, ça c'est pour le filtre. 9 euros, ça aussi. Ça fait déjà 20 euros. J'ai trouvé Younes en poisson. T'as trouvé quoi? J'ai trouvé Younes en poisson. Comment ça? On va voir. Comment... Pourquoi j'ai rien fait, moi? Oh, parce qu'il... Attends, parce qu'il est musclé. Il coûte 49,99 euros, le bougre. Oh, le gros porc. Attends, viens, on regarde ici. Là, il y a même des poissons noirs. Ouais, il y a même des poissons noirs, la famille. Mais bon, pour l'instant, on reste sur les poissons rouges. Ensuite, alors, graille ou pas, Yacine? Oh, regarde, il y a les petits frérots avec poissons. Ça coûte... Attends, Myriam, ça coûte 3 euros. 3 euros, et l'autre? Et ça, c'est pour désinfecter le truc. Ok, ben à peu près 30 euros. Il y a les petits frères à mon poisson, il y a leurs petits frères. Salut, Hamid et Mahmoud, vous allez bien? Que je les surnomme doré et argenté. Alors là, ils vont super bien. Pendant les 10 derniers jours, le poisson doré, du coup, Mahmoud, il allait super pas bien. Il avait une bosse violette. Il avait une grosse bosse lichée. Regardez, j'essaie de vous montrer. Là, on dirait que c'est un peu guéri. Attends, viens ici, Mahmoud. Regardez, vous voyez sur sa tête, il y a un petit truc violet. Mais ça a guéri du coup. Ouais, mais nous, on pensait qu'en fait, c'était par rapport à l'eau sale, puisqu'on était trop des flemmards et on l'a changé pas. Ouais, et du coup, là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est trop fort, on a payé 30 euros pile poil. Une fois qu'on a récupéré ça, Younes, s'il te plaît, viens, on fait un cadeau à maman. Quoi comme cadeau? Une paire de baskets. Une paire de baskets à maman, Yacine? On a le droit de sortir le téléphone ou pas encore? Non, Yacine, arrête un peu là, sale toxico. On offre un cadeau à maman ou pas, t'es d'accord? T'as pas YouTube, non? Il s'agit du chef. Il fait chier, lui! Une prise. Bon, allez, vas-y, tu payes ou je paye? Je paye. Et après, Younes, et après, on pourra aller à la grande récré? On verra, vas-y, on va faire un cadeau à maman. Allez, on y va, les gars? Comme de par hasard, il pleut. Voilà, normalement, je suis sur Netflix là. On parle même pas, j'ai trop la haine. Y a pas de Netflix aujourd'hui, les gars, je vous ai dit. Quand on était petits, comment on faisait? Non, il pleut, j'ai le nez bouché et j'ai mal à la gorge. Hey, quand on était petit, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge. C'est le combo parfait de. Ouais, comme ça. Dites-vous, quand on était petit, y avait pas de play, on était toute la journée dehors. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fasse n'importe quel temps, tu peux le confirmer. Ouais. Du matin au soir, on était dehors. Il y a une queue à la boulangerie, ils vont se prendre des pâtisseries, ils vont se mettre devant Netflix. Ah ouais, j'avoue, ils vont se mettre bien. Oh là, ils vont se mettre trop bien. Mais nous, j'ai une meilleure idée pour la graille, t'inquiète même pas. Bon, les gars, le style à ma mère, je vous dis tout de suite, c'est des baskets noires comme ça. Ah, genre en mode. Ouais, en mode comme noir simple. Maman, on va essayer de trouver la meilleure paire possible. Ça là, s'il y aurait ça en noir, ma mère, elle aurait kiffé de ouf. Celle-là, là, tu penses? Mais ouais. Maman, désolé, il n'y a pas de noir. En vrai, elle coûte trop cher, c'est pour ça. Arrête, t'as vu ce genre de chaussures-là? Ouais, celle-là, c'est claqué. C'est vrai, c'est trop claqué, ouais. Là, on passe à la caisse, on a pris cette paire. Du coup, pour maman, j'ai aucune idée du prix. Toi, tu dis, elle fait combien? 59. 59, Myriam, tu dis, elle fait combien? 50. Moi, j'ai fait 65 euros. Vas-y, on essaye. 95 francs. Mais j'ai pas 100 euros. 32. Oh, 32 euros? On est bien. Incroyable. Ah non, 132 euros pour maman Zerma. 132 euros. Ouais, 132. Non, regarde, Myriam, t'avais 64. Elle a dit 64, il y a marqué 64 barré 32. 32 euros, bah super, cool. Bon, les gars, il pleut encore, la paire elle est bonne. Maintenant on fait quoi? On va à la grande récré. Comment ça la grande récré? Mais non, vas-y, toi rentre chez Watt. Trop, on est à l'école pour aller à la récré, tu vas aller dans un magasin de jouets. Oui. Pierre, feuille, ciseaux, coup sec. Feuille, ciseaux. Non, tu crois pas que t'as gagné, ceux qui ont vu, regardez. Mets ta pierre. Comme Yunjiro Hanma. Qui gagne, mon nom, qui gagne? Allez voir Baki. Non, allez pas voir Baki, c'est trop dangereux. Excusez-moi de vous déranger, mais ceux qui achètent ça. Je vois vraiment bizarre. Vous payez 15 euros pour des mecs qui ont des grosses têtes carrées, alors que votre tête elle est déjà carrée. Et nous on est des anciens. Je vous ai dit qu'on était petits, on était dehors. On avait que des billes. Quand t'avais ça, ça s'appelle un calot. T'étais le boss. Mais c'est quoi les billes? 7 euros ça coûte. 7 euros. Attends, c'est quoi les billes les plus rares qu'il y a? Regardez ici, il y a des couleurs incroyables. Ah, c'était ça les billes les plus rares.
Les biplates, mon pote. T'avais des biplates comme ça, t'étais le boss de la récréation. J'étais entre ça. Attends, mais pourquoi tu parles doucement, on n'est pas à la bibliothèque. tu veux vraiment prendre ça? Attends. 12,99€, c'est quoi en fait? Tu veux que je le mette dans ta tête? Gare. Des instruments de cuisine, 12,99€? Tu fais ta propre cuisine. Il y a marqué pigeon ici? Oui. Là, Younes et Yassine m'ont pas pris mes Dora Balls. Ces gros crevards là. Vous allez voir, on va aller où? C'est quoi les Rabols? Dora Balls. Elle croit vraiment que j'allais mettre 12 balles dans ça. Dites-moi si j'ai raison dans les commentaires. Avec 12 balles, tu sais, je préfère faire quoi? Faire les gardes dans ma poche. Quand on était petit, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'écran. C'est ce qu'on faisait, on était des clochards, refaites-le pas. Toute ma bande, on se dispersait partout dans cette ligne et c'était pile poil ici. Et on demandait 1 euro à tout le monde. Et à la fin, ça nous faisait 5-6 euros et on allait se faire un pique-nique. Regardez le pique-nique qu'on va faire, vous allez rigoler. On prenait toujours une baguette de pain. 32 centimes, écoutez, là coûte 69 centimes. Ça a trop augmenté les prix, les gars, c'est une dinguerie. Mais en tout cas, ça commençait par une petite baguette. Tu vois ce que t'as dans la main là? Ouais. Ça aussi, on prenait ça tout le temps pour notre pique-nique. Vas-y, tu peux le prendre. Prendre des glaces aussi. Ah, les glaces, je te promets, wallah, dans notre pique-nique, on n'en prenait jamais. Pour te faire plaisir, on va tester ça depuis le temps que je voulais. On va tester ça. Ouais, mais ça, c'est pas dans notre pique-nique. Les avocats? Ouais. C'est bien. Évidemment, la base, c'était le fromage dans les pique-niques. Ouais, tout le temps, donc, la famille. Toujours le moins cher, mais là, on va se faire plaisir, on va prendre du l'air d'ameur. L'air d'ameur, mon pote. Bien évidemment, on prenait toujours de la mayonnaise. Pas de ketchup, pas de moutarde, que de la mayo. Au niveau des gâteaux, j'ai un trou de mémoire, je sais plus du tout ce qu'on prenait. Je me rappelle juste un jour, et mon pote, il s'appelait Johnny, il avait ramené un billet de 20, c'était l'Aïd. Il avait acheté grave des trucs, donc du coup, pour les gâteaux, je laisse Myriam faire son. Moi, je prenais ça avant. Tu prenais quoi, toi? Les gaufres au chocolat, je me rappelle. Gaufres au chocolat? C'était incroyable, ça. Ok, vas-y, Myriam, je te laisse pour ton paquet de gâteaux, parce qu'il n'y a pas que les anciens dans la vie. En vrai, juste me dis des Oreos, des Oreos. Un truc qu'on n'a jamais goûté. Un truc qu'on n'a jamais goûté. Sinon, je vais te soulever. Bombard, j'ai trouvé. C'est bon, je pense qu'on était là avec Yacine. Yacine, il se rappelait de tout. C'est ici, je me rappelle. Ouais, là, c'est plus là que dans les gâteaux qu'on prenait, je pense. Ça, c'est le truc le plus rentable. Ça coûte 2 euros, il y en a grave, on était beaucoup. On prenait toujours des trucs comme ça. Témasque, le truc qu'on n'aurait jamais pris de notre vie. Ça, c'est impossible. Ça coûte combien? Ça coûte 4 euros. 4 non, euros, c'était notre budget. Bah laisse là, non, je vais laisser le choix. Je vais laisser le choix. Mais allez, tu veux prendre ça pour toi, fais-toi plaisir. Vas-y, prends-le. Oh, je suis trop content, on va faire notre pique-nique comme quand on était petit. Par contre, les gars, là, on va rentrer parce que j'ai envie de faire pique. Tu fais quoi, toi? C'est quoi ça? Là, il y a des autocollants magiques. Il y a des autocollants magiques, tu vois? Ça servait à rien d'acheter des trucs 6 euros. Là, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit aussi. Vas-y, je vous laisse. Vas-y, on va dire 30 minutes, faites ce que vous voulez, reposez-vous tranquille. Tu vas aller sur le téléphone? Non, Yacine, 30 minutes de repos et ensuite, on fera notre pique-nique. Toi, si tu veux aller manger, Yacine va manger. Et Younes, va voir dans la petite pièce, c'est une dinguerie. La petite pièce, il y a quoi? Va voir, tu vas péter ton crâne. Myriam a fait des dingueries, va voir. Il y a quoi? Là, c'est le débarras, les frères. Myriam! Tu te fous de moi? Tu fais quoi, espèce de drogué? On a dit, c'est 24 heures sans tablette ni téléphone. Je voulais juste essayer. Donne-moi ça. Donne-moi ça, tu vas avoir une punition. Viens dans la salle. C'est pas de ma faute, je suis trop toute seule. Comment ça, t'es trop toute seule? On a dit, ça, c'est interdit. T'arrives pas à arrêter ou quoi? Mets-toi en gainage, dépêche-toi. En plus, t'as le maillot de Benzema, je vais t'apprendre c'est quoi de tricher. C'est dur. Dis, je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Regarde-moi quand tu parles. Je ne recommencerai plus. Tu recommenceras plus? Non. T'es sûr? Oui. Enlève une main. C'est bon, la prochaine fois, tu vas rester 10 minutes comme ça. Oh. J'ai tout bloqué. Il n'y a rien pour vous. J'ai tout bloqué. Éteins-moi ça, dépêche-toi. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien aujourd'hui. Mais il y a quoi à faire là, à part les tablettes et la télé ici? Il n'y a rien à faire. On faisait quoi quand on était petits, nous? Personne n'a gâché mon plaisir, moi, la fou. Quel plaisir. Personne n'a gâché mon plaisir. Le roi des pirates, ce sera moi. Oh, ça va être incroyable. Allez. Vas-y, lance. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous foutez de qui, là? Il y a One Piece qui est sorti, s'il te plaît. Ouais. Non, mais j'en ai rien. Il s'en filme. Mais c'est quoi le... S'il te plaît. Tu m'éteins ça. Éteins. Mais non, Younes. Non, il n'y a on pas... On est puni, c'est ça? Oui, mais c'est le 24 heures. Bah, c'est la prison. C'est le 24 heures. Bah, vous... On va en prison, allez. Mais c'est le 24 heures. On se colle la tête. Allez, on va faire une sieste. On est puni. Juste, faites ce que vous voulez, mais juste faire un truc. Non, ça... Non. Lâche-moi ça, le zombie, lâche-moi. Non. On va procéder au pique-nique. Et bien sûr, n'allez pas dire à vos parents que moi, je vous encourage à demander de l'argent aux gens et d'aller faire un pique-nique. Nous, c'est ce qu'on faisait quand on était petits parce que je pouvais pas demander de l'argent tous les jours à papa et maman et je préfère ça qu'on aille voler, tu vois. Mais demander de l'argent aux gens pour acheter à manger, c'est très très mal vu. Donc, n'allez pas refaire ça.
Je vous ai dit que nous, quand on était petits, on était toute la journée dehors, vu qu'il n'y avait ni internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On se réunissait, on se prenait une petite baguette à 32 centimes. Le sandwich, je le fais à peu près là, là ou là, dis-moi stop. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Après, on faisait pas tout le temps ça. Hein. Des fois, on allait demander à maman 2 euros et chacun ramenait 2 euros de sa famille. Mais moi, j'ai plus ce souvenir qu'on demandait de l'argent devant le magasin. On disait bonjour madame, vous n'avez pas 1 euro? Et les gens, c'était grave gentil, la plupart du temps, ils nous donnaient. C'est pas des creveurs comme moi. Après, les prix des courses, ça n'avait pas augmenté aussi, c'était pas cher. Ensuite, on se prenait une mayonnaise. Tout le monde aimait la mayonnaise, donc on prenait de la mayonnaise, on la mettait comme ça. Hop. Et des fois, on allait même chez mon pote Mehdi, je me rappelle. Ah ouais. Lui, il avait des tablettes de chocolat. Et on se faisait descendu. Ensuite, on prenait du blanc de poulet. Bien sûr, halal, on mangeait halal. Bah, on se prenait le blanc de poulet comme ça. En vrai, je t'en mets deux. Et on prenait une petite tranche de fromage. L'air d'hameur. On prenait pas l'air d'hameur. Hein. Et après, on mangeait. Tu sais, on faisait quoi quand on mangeait? On se racontait des histoires qui faisaient peur. C'était grave stylé. Regarde, tiens, hop. Et voilà notre sandwich. Et un jour, je me rappelle, on s'était embrouillé. Et on s'était différencié en deux groupes. En deux groupes. Genre, en mode, il y avait mon pote qui avait un billet de 20. Et un autre groupe qui avait même pas 5 euros. On a fait deux groupes. Et nous, on était avec le groupe des 20 euros, je crois. Oh, c'était incroyable. C'était trop bien. Alors, dis-moi, croque bien. Prends ton temps, analyse. Mais en tout cas, c'était incroyable. Et si je pars un peu bizarre, c'est que je suis enrhumé. Les gars, s'il vous plaît, après-midi téléphone ou pas? Non, pas après-midi téléphone. Et après, ce petit sandwich, on se prenait soit des gâteaux, soit des bonbons mini. Par contre, Raffaello, jamais de la vie. Hein. Non, jamais on prenait des Raffaello parce que c'est trop cher. Ça, c'est quoi? C'est des petites boules comme ça? Des petites noix de coco. C'est un truc de malade. C'est le moment de tester. Depuis le temps que j'en ai envie, je passe tout le temps, on fait des vidéos, c'est pas le moment. Il y en a combien? Il y en a 9 et ça coûte 6 euros. C'est extrêmement cher. Avant, vous prenez quoi comme truc à la place? Ça se présente comment? Ah, comme une boîte de chocolat, j'ai l'impression. Pas mal, Siloui, là. Ah, ça me donne vraiment envie, tiens. Regardez, c'est des grosses boules comme ça. On va voir si c'est bon. On va voir en fonction de sa tête. Alors? Ça va, c'est pas un truc de ouf, en vrai. Mais est-ce que vous connaissez les barres longues M&M's, enfin les barres longues Mars et tout là? Ouais. Bah, c'est la même chose en boule. Mais 6 euros pour ça, non. Ça vaut pas le coup. On arrive à la fin de la vidéo. On va passer chacun notre tour et dire si on a respecté le challenge ou pas. Pas de mensonge, ça sert à rien de mentir de toute façon, ok? On va commencer par Myriam. Myriam, durant ces 24 dernières heures, as-tu utilisé un écran, une tablette ou un portable? Non. Tu es sûr? Oui. Yacine. Sale menteuse, va. Yacine, as-tu respecté le challenge? Est-ce que tu as réussi à t'empêcher de regarder un téléphone, un portable ou un écran? Si je suis honnête avec les abonnés, avec tout le monde, j'ai pas respecté le challenge. J'ai regardé One Piece, un épisode, mais j'ai pas regardé le deuxième. J'ai regardé qu'un épisode et j'ai été sur mon téléphone un peu. Younes, depuis le début du challenge, est-ce que tu l'as respecté ou est-ce que tu as craqué? Pour être honnête avec vous, je n'ai pas respecté le challenge et j'ai regardé mon téléphone et j'ai envoyé des messages. J'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Acheter quelque chose. Oui, on t'écoute. Alors en fait, durant ces 24 heures, j'ai joué un peu à ma tablette et j'étais sur mon téléphone. Et c'est tout. Et la télé aussi. Elle a regardé One Piece avec moi, cette menteuse. La totale. Oh mon dieu. Lui aussi, il a regardé One Piece. Moi, j'ai avoué. Toi, t'as pas avoué, t'as voulu mentir. Donc, est-ce que t'auras un petit message pour les écrans et les téléphones pour les abonnés? Bah, on est complètement drogués, hein, celui qui a créé les téléphones et les écrans, tu nous as tous drogués. J'espère que ce 24 heures vous aura plu, on l'a pas réussi, c'est trop dur. Vous dites dans les commentaires si vous réussissez ou pas, à votre avis, de tenir 24 heures sans écran, c'est une dinguerie. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like et abonnez-vous. Ciao. Ciao.